Avez-vous noté comme sous les yeux de la loi, le plus innocent des plus innocents prend un air gêné? Je pense qu'il recherche quelqu'un. C'est peut-être elle. Elles sont sûrement coupables d'avoir brisé le cœur de quelqu'un. Ah, lui a l'air coupable. Trop d'ailleurs. Tandis que celui du fond a l'air si innocent qu'il est sûrement coupable. C'est l'innocence personnifiée. Je parie pour celui-là. Allez, en route. Mais qu'est-ce que c'est? Mais laissez-moi. J'ai horreur de jouer les triomphateurs, mais j'ai gagné. Ce genre d'arrestation se fait rarement en plein cœur de Paris. C'est toujours la grande et la joyeuse cité. Mais derrière les façades, comme partout ailleurs, dans l'ombre des maisons, il y a de mystérieuses tractations. Ah, Simon, je m'excuse, je suis très en retard. Vous attendrez déjà une joie. Quand je les ai vus arrêter un homme, j'ai cru que c'était vous. Ah, charmant. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Comment aucune idée? Pourquoi je devrais? Mais vous êtes Simon Templar, le saint. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Très heureuse de vous revoir. Merci, il est là? Oui. Bonjour, André. Jean, comment vas-tu? Où en est-on à Berlin? Eh bien, une belle commande de Staderman et Kleiner, ils veulent 100 caisses. Excellent. Et quelle nouvelle ici? Oh, rien. Ah si, il y a bien ce Simon Templar qui est par ici. Tu sais, Juliette m'en a parlé. Nous devons dîner ensemble ce soir, viendront avec nous. Ah non, merci André, je suis mort de fatigue. Et puis j'ai encore du travail à faire. Dis, tu sais André, Kleiner construit un grand magasin où il vendra de tout. Il doit y faire un libre service et je crois qu'il... Excusez-moi, il y a un homme qui demande à être reçu. Qui est-ce? Il n'a pas voulu se nommer, monsieur. Excuse-moi. Nous discuterons tout à l'heure. Attendez. Mais il est déjà parti, on dirait. Il y a un moment, il était encore là, je vous assure. Peut-être qu'il... Non, ça ne fait rien. Ça n'a aucune importance. Monsieur Quintana... Vous ne comptiez pas sur ma visite, n'est-ce pas? Vous avez dû penser que je resterais toujours là-bas. Oh, mais non, voyons... Seulement, monsieur, ces choses-là demandent du temps. En temps ordinaire, je ne vous emploierai pas pour faire reluire mes bottes. Mais j'ai eu quelques agents à tuer et je dois les remplacer. Sans enquête approfondie, j'ai été forcé de vous donner quelques-uns de ces bons aux porteurs, qui sont faciles à négocier très vite et qui présentent l'avantage de ne laisser aucune trace précise de l'homme qui a pu chercher à les vendre. Mais enfin, vous ne croyez pas que j'ai essayé de les garder? Je peux croire ce que je veux. Je sais que vous êtes inefficace et peut-être bien un voleur. Mais c'est tout à fait faux et injuste. Vous croyez? J'en suis certain, voyons. J'ai un correspondant à Londres, un autre à Rome et un à New York. À ce jour, chacun d'eux m'a fait parvenir l'équivalent de 300 000 dollars. Vous avez réuni, vous, seulement 25 000 dollars. Pourquoi? Écoutez, Louise, monsieur, pour vous. Vous connaissez aussi bien que moi. Je sais ça aussi bien que vous, en effet, je suis au courant. Bon, d'accord. Vous ne vous souciez pas de notre cause, vous ne pensez qu'à vous. Monsieur, laissez-moi jusqu'à après-demain ou plus tard. À Berlin, mon client m'en prendra pour 200 000 dollars, j'en suis absolument sûr. Vous n'avez aucune raison de me suspecter ni de vous alarmer, je vous assure. Vous rappellerez que je ne suis pas un homme à être alarmé. Vous aurez un paiement dans les 48 heures. Je l'espère pour votre santé. Parce que dans le cas contraire, nous serions obligés de vous rayer des contrôles. Allô, Air France?
Je voudrais un passage le plus tôt possible. C'est ça, pour le départ de ce soir. Pour Buenos Aires. Simon, ne vous inquiétez pas pour André et moi. Donnez-moi l'adresse exacte. 53 rue Saint-Sulpice. Non, un de mes amis a quitté Paris et il m'a permis d'habiter chez lui. Pendant son absence, oui. Bon, et à quelle heure? Eh bien, 6 heures. D'accord. Eh bien, à tout à l'heure. Au revoir, Simon. Jean! Juliette. Oh, mais vous n'avez pas l'air en forme. Ah, si. Je rentre juste de voyage. Je suis fatigué. Ah, bon? Eh bien, je vous quitte. J'ai affaire. Je serai occupée toute la journée. Je te retrouve chez Simon, hein? Entendu, chérie. À bientôt. Au revoir, Jean. Et allez vite vous reposer. Oui, je vais y aller. Au revoir. Voudrais-tu me signer ce chèque, s'il te plaît? C'est ma note de frais de voyage. Comment? Seulement 500 francs? Oui, Staberman m'a offert à dîner et Kleiner m'a reçu chez lui. Bon, tu es un associé économique. Tu n'as pas besoin de moi cet après-midi. J'aimerais me reposer. Entendu. On se verra demain. Merci. Et repose-toi bien. Merci. $450,000, $450,000, $500,000 francs. Merci. Mais nous avons une grosse commande en vue. Et alors, si nous payons en espèces, nous avons 20% d'escompte. Avez-vous encore besoin de moi avant que je parte, monsieur? Non, merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, monsieur Griot? Oui, monsieur, c'est moi. Ici le caissier de votre banque, monsieur. Au dernier courrier, nous avons reçu un chèque de 2000 francs. Et ce chèque, ajouté à celui de monsieur, votre associé, les 500 000 francs qu'il a retirés il y a à peine 2 heures, fait qu'il manque à votre compte 2010 francs et 30 centimes. Mais le chèque qu'a fait mon associé était de 500 francs, pas de 500 000. Non, monsieur, 500 000. J'ai le chèque sous les yeux. Allô? 500 000 francs? Et vous êtes certain que ça n'est pas dû à une petite erreur de la part de la banque? Ah non, monsieur. Je vous dis, j'ai le chèque là, devant moi. Oui. Oui, d'accord. Je vous remercie. Bonjour, Marie. Est-ce que monsieur Jean est là? Mais non, monsieur Griot. Vous ne savez pas où il est? Est-ce qu'il a téléphoné? Non. Quand l'avez-vous vu? C'était à midi, monsieur, quand il est rentré pour déjeuner. Il a déjeuné ici? Il le fait souvent? Oh, oui, bien sûr, avec son régime, c'est mieux que le restaurant. Oui, bien sûr. Et après déjeuner? Je suppose qu'il est allé à son bureau. Pourquoi, monsieur? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Rien, rien, Marie. Vous permettez que je l'attende? Bien sûr, monsieur Griot. Mettez-vous donc à votre aise. Merci. Tenez, Juliette. Merci. À une longue vie. Longue et heureuse. Comment vont les affaires? Ça se tient. Les collections, les présentations, ça ne nous laisse guère de répit, vous savez. Ça vous plaît toujours? C'est drôle le matin. Mais quand arrive le soir, j'ai un désir intense de tout balancer, tissus et clientes, par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui peut bien retenir André?
Il est bientôt 7 heures, monsieur Griot. Est-ce que je peux encore vous être utile? Non, non, Marie, merci. Alors, bonsoir, monsieur. Marie. Oui? Une minute. Dites-moi, lorsque monsieur Jean est venu pour déjeuner... Oui. Est-ce qu'il avait un porte-document avec lui? Un porte-document? Oui, il y a dedans de très importants papiers dont j'ai besoin. Je ne suis pas très sûre. Oui, oui, je crois bien que oui. Ah, et après qu'il ait fini de déjeuner, est-il parti avec? Ça, je n'en sais rien du tout, je n'ai pas fait attention. Vous avez l'air bien embêté. Je le suis en effet, il est allé il y a peu de temps retirer 500 000 francs à notre banque. Quoi? 500 000 nouveaux francs? Oui. Pourquoi? J'aimerais le savoir. Il ne les a pas pris. Vous ne croyez pas ça, n'est-ce pas, de la part de monsieur Jean? Non, Marie, il y a sûrement une explication logique, sûrement. Mais rentrez chez vous, Marie, je vous en prie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie. Absolument sûr de ne pas te tromper. Oui, je suis sûr qu'il nous a trahis. Enfin, tu n'as pas de preuves. Les preuves existent, il nous reste à mettre la main dessus. J'ai une grande habitude de ce genre de choses et mon flair me sert parfois d'expérience. Ce lâche n'a aucune espèce de considération pour notre cause. Monsieur Quintana, je ne vous attendais pas à cette heure-ci. Je le sais, vous ne m'attendiez pas, mais je possède une sorte d'instinct qui me permet d'arriver juste au moment critique. Comment ça, au moment critique? Nous en avons déjà discuté ce matin. Vous serez payé dans les 48 heures, je vous l'ai promis. Pas question, je vous relève de votre mission. T'as compris? Mais pourquoi? Innocent. Mais on le dirait. Monsieur Quintana, je suis peiné de votre attitude. Il est peiné, tu entends? Il a le cœur ulcéré. On se croirait au cinéma. Je vous ai fait de la peine. À vous. À vous à qui j'ai donné l'occasion de connaître la richesse. Vous que j'ai sauvé de la faillite. Vous dont le commerce était pratiquement retombé à zéro. Vous venez me dire que je vous fais de la peine. Mais enfin, j'ai fait tout ce que vous vouliez que je fasse, monsieur Quintana. J'ai essayé de vendre et... Donnez-moi l'argent, alors. Mais je vous l'ai déjà dit. Je crois difficilement ce que vous dites. La confiance ne règne pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. C'est ça que je vous reproche. Vous ne faites rien du tout. Vous restez là, bien tranquille, dans votre luxueux appartement. Vous allez à votre bureau, vous en revenez. Et vous croyez payer votre dette parce que vous croyez que vous travaillez pour nous. Vous ne songez qu'à vous, uniquement à vous.
Alors que c'est le moment de se montrer ferme et surtout reconnaissant. Votre seul souci, c'est de soigner vos indigestions. Mais à quoi sert de discuter avec vous? Donnez-moi les bons qui vous restent et donnez-moi l'argent. Entendu, si c'est ce que vous désirez. Les bons sont ici? Oui. Dans ma serviette, dans le tiroir. Alors? Ah bien, ça, je... Elle n'y est plus. Mais je vous assure, elle y était encore tout à l'heure. Quelqu'un me l'aura prise, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Elle était ici, voyons ça, je vous le jure. Mais vous êtes en train de prendre un très dangereux chemin. Écoutez, je vais... Une minute. Tenez, il y a là 500 000 francs. Oui, mais ça ne fait que 100 000 dollars, ça ne fait pas le compte. Où elle reste? Eh bien, je vous jure que je ne l'ai pas, je vous assure. Allô? C'est bien vous qui avez retenu une place d'avion? C'est moi, oui, je vous écoute. C'est le bureau d'Air France. Air France? Oui, notre vol 308 à destination de Buenos Aires partira avec 45 minutes de retard. Merci. Buenos Aires. Oui, j'avais un voyage d'affaires. Empêche-le! Après tout ce qu'André a déjà fait pour lui, alors je ne comprends pas son geste. André, êtes-vous sûr qu'il a changé le chèque? Quand je l'ai signé, le montant était, j'en suis sûr, de 500 francs. Et Jean a dû le changer en 500 000 francs, sûrement. C'est pourquoi vous avez pris ça? Oui, j'ai cru que je trouverais l'argent dedans. Il devait l'avoir à la banque. Ce sont des obligations au porteur, un demi-million de dollars au moins. Comment Jean a-t-il pu avoir ça? Oui, et où? Que voulait-il donc en faire? Si on le lui demandait. Et si on peut le trouver, oui. Vous ne savez pas où il est? J'ai essayé de lui téléphoner, mais il ne répond jamais. J'ai essayé une douzaine de fois. Je suis sûre qu'il est parti, j'en suis persuadée. Vous réalisez, j'espère, qu'André a commis une infraction. Oh, mais il n'a fait que reprendre ce qui lui appartenait de plein droit. La loi est contre lui. Le cambriolage d'un appartement est un délit, même si c'est celui de votre associé. Simon, que faisons-nous? Je crois que la première chose à faire est d'aller rapporter toutes ces obligations où vous les avez prises. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? J'ai l'impression qu'il est déjà un peu tard. Mais que faisons-nous? Vous rien, moi j'y vais. Retournez chez moi avec ma voiture et attendez. Madame, l'autre, ce monsieur André Griot, était associé de votre patron? C'était aussi son ami, monsieur. Jamais monsieur Griot n'aurait fait une chose pareille. À quelle heure est-il venu? Il est arrivé vers les 6 heures et quand je suis partie, il était encore là. Vous avez dit qu'il avait l'air agité? Oui, mais il n'était pas en colère ni fâché, ennuyé, c'est tout. Il a dit que monsieur Jean avait retiré 500 000 francs à la banque. Et Griot les voulait? Je ne sais pas, monsieur l'inspecteur. Merci, madame. Pour le moment, ce sera tout. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Commissaire Quercy, inspecteur Leduc. Très heureux de vous revoir. Pourquoi êtes-vous donc ici?
Oh, je ne faisais que passer par là. J'ai aperçu la voiture, alors je suis entré. J'ai eu la chance que ce soit vous qu'on ait chargé de l'affaire. Ça me vaut le grand plaisir de revoir les amis. Vous passiez seulement par là, n'est-ce pas? Alors, écoutez, il y a sans doute des milliers de promeneurs par ici. Vous n'allez pas les interroger tous, inspecteur Leduc. Ce pauvre monsieur n'a pas eu de chance, on dirait, commissaire. Non, vous le connaissiez peut-être. Non. Comment l'a-t-on tué? On l'a poignardé, monsieur. Et vous suspectez André Griot, hein? Qu'est-ce que vous en savez? J'ai entendu ce que disait la bonne. Dites-moi, ce Griot, vous le connaissez peut-être? Oui, je le connais très bien. Il y a des empreintes très nettes sur le coupe-papier et sur le verre qui est là. Reste à savoir qui en est l'heureux propriétaire. Et alors, si elles appartiennent au nommé Griot, l'affaire est classée. Il vous manque pourtant un détail. Lequel? La victime a retiré de la banque une grosse somme, si l'on en croit la dame. Je pense que vous ne l'avez pas retrouvée. Où est-elle? C'est Griot qui doit l'avoir. Hein, j'espère que vous ne faites pas erreur. Écoutez bien, Templar. Si vous avez des informations à propos de cette histoire, je vous prie de me le dire. J'ai toujours coopéré avec la police, commissaire. Mais j'étais juste passé vous saluer. Maintenant que ça y est, il ne me reste qu'à m'en aller. Inspecteur. Au revoir. A été tué. Simon. On l'a trouvé poignardé. Oh. C'est impensable. Mais c'est la vérité. Et vous êtes le premier homme suspecté. Hein? André, tu vas aller à la police tout de suite et leur expliquer qu'il se trompe. Ne soyez pas imprudent. Que voulez-vous dire? Vous saviez qu'il avait 500 000 francs pris à la banque ce jour-là. L'employé le confirmera sans doute. Vous êtes la dernière personne qu'on ait vue à l'appartement. La bonne a dit que vous étiez venu à 6 heures. Elle a parlé des 500 000 francs et elle a dit aussi que vous étiez agité, plutôt ennuyé. Ça ne va pas vous aider beaucoup. Que puis-je faire d'autre que de me rendre à la police? En d'autres circonstances, je dirais oui. Mais que peut-il faire d'autre? Un innocent a plus de chances de s'en tirer en ne disant que la vérité. Mais dans le cas qui vous intéresse, il y a un peu trop de charges pour courir un tel risque. Alors, quoi faire? J'ai été suivi tout à l'heure. Et qui pourrait avoir intérêt à vous suivre? Des gens qui aiment les obligations. Vous feriez bien de rester ici pour l'instant. Ils finiront bien par venir tôt ou tard. Le plus tard sera le mieux. Juliette, venez avec moi. Oui, où allons-nous? Chez une de mes amies qui est au courant de tout. Attendez-moi ici 10 minutes, d'accord? D'accord. Mon cher, bravo. C'est digne de vous, ce travail. Impeccable. Alors? La gravure, la couleur, le papier, l'encre, c'est bon, très bon. Eh bien voilà, que vous le croyez ou non, je n'essaie pas de les céder. Non, bien sûr, voyons, je le sais. Je suis sérieux. N'essayez pas surtout de me faire croire que vous passez de l'autre côté de la barricade. Ça n'est pas ça. Ces chefs-d'œuvre ne sont pas à moi. Alors c'est dommage, croyez-moi. C'est du travail de grand artiste et je m'y connais. Vous en êtes bien certaine? Mon cher, en 60 ans d'exercice, je n'ai commis qu'une seule erreur. Mon mariage. Pardonnez ma question. Il n'y a qu'un homme qui ait pu faire des faux aussi réussis. Un seul. Qui ça? Un Polonais nommé Ladek Kiriwetski. C'est un artiste. Tout le monde le connaît en Europe. Et vous croyez que c'est lui qui a fait ça? Non. Mais alors... Tous ces bons sont datés du mois de janvier de cette année. Jurevetsky s'est fait descendre à Barcelone il y a 10 mois déjà. Thank you.
Je vous assure, commissaire, je suis chez Madame Lafont, qui est là. Je voulais son avis sur une gravure. Je croyais d'abord qu'il voulait me la vendre. En somme, simple réunion d'affaires. Il vous a donné sa parole, oui ou non? Madame, la parole de Monsieur Templar n'est pas nécessairement une garantie. Aviez-vous déjà vu cet homme avant? Non. Sauriez-vous l'identifier? Seulement si vous réussissez à le rattraper. Allez-vous vous taire, madame? Je vous prie de me dire ça poliment, monsieur. Madame, voulez-vous me perdre? Rien du tout. Vous laissez un pauvre jeune homme se faire frapper par une brute. Où s'en va donc notre pauvre pays, je me le demande? La destinée de notre pays, madame, n'attend pas heureusement après vous. Madame Lafont, je crois qu'il vaut mieux que nous fassions un effort. Essayons de coopérer. Oh, vous, Simon, celui que je considère comme mon fils spirituel, vous. Vous voulez coopérer? Je pense que c'est le meilleur moyen. Alors, dans ce cas, je rentre à la maison. Mes chats seront de meilleure compagnie que ceux-là. J'espère que vous ne quitterez pas la ville sans venir me dire au revoir, Simon. Je vous le jure. Celui-là a besoin d'apprendre les bonnes manières. Ouvrez la porte. Merci. Vous sentez l'ail. Après tout, c'est une odeur comme une autre. C'est aussi bien que de sentir le policier. Elle a dû faire la révolution à elle toute seule. À l'entendre, on le croirait. Monsieur Templar, je crois que vous pouvez partir. Encore que j'ai l'intuition que l'agression que vous avez subie a sans doute un rapport avec cette affaire de meurtre qui m'intéresse. Mais je ne peux pas vous retenir sur une simple intuition, n'est-ce pas? Ce serait une erreur judiciaire. Je suppose que vous êtes sûr que Griot est l'assassin. Son partenaire lui prend 500 000 francs, alors il le tue. C'est un excellent motif, non? Je crois qu'il y a bien autre chose que ça. Que connaissez-vous de la victime? Pas grand-chose. Il n'a pas de fils chez nous. Il est né en Espagne, mais de parents français, venu à 18 ans de Barcelone. Barcelone? Vous y voyez une signification? Peut-être pas. Il y a encore des agitateurs espagnols. Vous croyez sérieusement à de la politique? Pourquoi pas? Pourquoi irions-nous chercher un motif compliqué? Nous en avons un simple. Griot a tué uniquement à cause de l'argent. Inutile de chercher plus loin. D'accord. Elle avait raison. Je suis presque persuadé que Templar sait où est caché Griot. Il faut que je le trouve. Alors, ce Templar a toujours les bons? Oui, il les a. Il y avait une femme qui l'attendait. Il lui a donné la serviette. Et quand les agents sont arrivés... Vous avez fui. Et alors, qu'est-ce que... Elle ne pouvait pas courir le risque d'être arrêtée. De la stupidité, de l'incompétence, voilà tout. Vous n'auriez jamais dû lui donner les obligations. J'ai cru devoir compter sur lui. Je l'avais tiré d'affaire dans le temps. Je ne pouvais pas le surveiller de près. La police aurait eu vite fait de me prendre. J'avais eu les meilleurs renseignements sur cet homme et j'ai pensé qu'il marcherait droit. On ne fait pas un agent politique avec du chantage. On doit prendre des gens passionnés pour la cour. Yurivetsky, cet homme ne présente pour nous aucun danger. Peut-être que non. Les obligations, oui. Laissez-moi dire quelques vérités. Je ne suis pas, moi, un idéaliste, vous savez, je ne sers aucune cause. Je travaille pour la fortune. Je n'ai jamais eu d'illusion. Et pour continuer cette lutte, vous avez besoin d'hommes, d'une grande quantité d'armes. Et moi, j'ai dû créer pour ça de fausses obligations. C'est le plus beau travail que j'ai jamais fait. Est-ce que vous réalisez qu'il y a des experts à Paris qui sont en mesure de reconnaître mon travail? Mais vous êtes en sécurité. Vous le croyez parce que tout le monde me croit mort, mais je suis tranquille. Les policiers français sont aussi forts que les autres. Officiellement, on vous a tué. La police n'a aucune raison de vous rechercher. Bien, il y a des connaisseurs qui, sur un seul coup d'œil, peuvent reconnaître un Velasquez ou un Rembrandt. Et il y a des experts en fausses obligations qui pourront vous dire sans hésitation, ça c'est un Uribetsky. Que ces experts viennent à en parler autour d'eux. Et voilà aussitôt la police qui m'arrête. Écoutez, je vous en prie. Nous sommes en train de perdre notre sang-froid. Reprenons-nous. Nous voulons retrouver Templar. Et les bons. Nous l'aurons. Vous l'avez suivi jusqu'à Saint-Cloud? C'est ça. Et j'ai noté l'adresse exacte. Bon. Je commence à voir un peu clair dans tout ça. Il y a d'un côté l'Espagne, et les importations, les bons porteurs, et le meurtre. Est-ce qu'il allait souvent en Espagne? 4 ou 5 fois par an environ. Il y restait longtemps? 1 semaine à 10 jours chaque fois. Croyez-vous qu'il puisse appartenir à une organisation politique? Eh bien, je ne le vois pas dans ce rôle, non? Vous n'avez jamais discuté politique avec lui? Nous n'avons jamais discuté de quoi que ce soit. Nous parlions prix, importation, nous étions mais des associés. Mais supposons que Jean ait été un agent. Un homme d'affaires rangé, anonyme, dont la mission aurait été de vendre de fausses obligations. Celles que vous avez trouvées chez lui. Non, non. Non, Jean n'était pas fait pour ça. André a raison, il n'était pas ce genre d'homme. Ouvrez, Templar, je sais que vous êtes là. Voilà, je viens. Sortez en vitesse par la salle de bain. Simon,
C'est inutile. Laissez-les m'arrêter, c'est mieux. Je n'ai rien à cacher. Vous avez peut-être raison. Je m'en doutais. C'était le seul moyen. Vous êtes André Griot? Oui. Templar, vous connaissiez sa retraite et vous n'avez rien dit, c'est une infraction à la loi. Non, il n'y a aucun reproche à lui faire. Je serais allé me rendre ce matin si vous n'étiez pas venu. Il est innocent, il n'a pas tué Jean. Mais je l'espère, mademoiselle. Vous êtes en état d'arrestation. Quant à vous, Templar, vous resterez sous la surveillance de l'inspecteur Leduc durant votre séjour à Paris. Vous restez avec lui et ne le quittez pas des yeux. Entendu, monsieur le commissaire. Allons-y. Mademoiselle. André, pas d'inquiétude. J'essaierai. Merci, Simon. Eh bien, le duc, je crois que vous voilà obligé de jouer les ombres. Oui, monsieur, une ombre qui vous regarde. Alors, rien ne nous empêche de rendre ces choses en général désagréables, plus plaisantes. Je suis d'accord. Bon, Juliette, ne vous inquiétez pas, il est innocent, je saurai bien le prouver. Mais comment ferez-vous ? Cette nuit, nous allons au bal nous distraire. Et l'inspecteur sera notre invité d'honneur. Je suis très flatté, croyez-le. Je suppose qu'il nous faut des costumes. Qu'est-ce que vous racontez? Des costumes? Oui, il nous faut des costumes. Nous allons au bal masqué. Alors, madame Lafont, gentille soirée. Oh, merveilleuse. Eh bien, tout est parfait. Je vois que vous avez des réserves de cognac. À votre santé. Oh, le duc, on dirait que vous vous ennuyez. C'est exact, monsieur. Alors, buvez plutôt un verre. Ça vous redonnera le moral. Je suis en service, monsieur. Écoutez, le duc, tant que je suis là, vous gardez l'œil sur moi. Ce n'est pas un ou deux verres qui pourront gêner le service. Ah, ça, c'est vrai, monsieur. Vous êtes très charitable. C'est avec plaisir. Vous comprenez, je me sens un peu déplacé ici. Je ne suis pas costumé. Mais dites à tout le monde que vous êtes déguisé en détective. Oh, monsieur Templar, vous vous moquez de moi encore. Et si le duc m'adresse la parole, qu'est-ce que je fais? Tu souris et tu t'esquives, vite. Quel dommage que le commissaire Kersey ne puisse pas en profiter. Master Seal doit être chez lui. À ne rien faire? Ah, oh, ça, monsieur, j'ignore ce qu'il peut être en train de faire. Annette! Je te présente un monsieur très gentil. Le duc, voici Annette. Ah, c'est celui dont tu m'avais parlé. Oui. Très heureux, mademoiselle. Ah, oh, Simon, il est chou, je l'aime déjà. J'adore les hommes gentils. Allez, venez, on danse. Il suffit d'aller en mesure, c'est tout. Monsieur Templar, je... Parfait. Oui, aussi longtemps que je n'ouvre pas la bouche. Paul, on dirait moi. Et qui a pris le duc en charge? Annette. Ah, que Dieu le protège. Vous tiendrez le coup, Paul? Monsieur Templar, pour vous, Juliette et André, je serai prêt à partir dans la lune. Tu n'aimes pas la danse, mon gros loup? Pourquoi donc? Si, si, mais... Attendez. Il faut vous arranger pour qu'ils boivent du champagne. Templar, vous êtes là? Je m'excuse. Alors, mon gros loup, viens danser. Vite, Simon. Tenez, prenez ça. Bonne chance. Merci. Ne vous faites pas de soucis, monsieur Templar. Non, pour ça, je n'ai pas de raison. Allez, Juliette, viens. Il danse mieux que ça, mon gros loup. Monsieur Templar, je m'excuse, je suis entré sans savoir, je suis désolé. Vous êtes pardonné, monsieur le duc, n'est-ce pas? Allez, viens danser, mon gros loup, ne mets pas tout seul. Thank you.
double twist. Merci. Vos autres agents sont aussi des traîtres. Yurivetsky, pour la dernière fois, je vous dis que j'ai confiance dans tous les autres. Nous avons fait une erreur, d'accord. Je le reconnais, mais j'ai un paiement reçu de Rome hier soir, ce qui monte à 1 700 000 dollars, notre caisse actuelle. Plus les 500 000 francs de l'autre. Oui, c'est vrai. Seulement, il faut déduire le montant des obligations manquantes. 1 million de dollars. Il n'y a plus de cigares. Il y en a une boîte sur une table dans l'entrée. Merci. Dites-moi, que comptez-vous faire pour ce Simon Templar? Nous finirons bien par l'avoir. Le plus tôt sera le mieux. Si les faux tombent entre les mains des experts, je suis démasqué. Mais je vous dis que nous allons le chercher et le trouver. Vous entendrez mieux de l'intérieur. Monsieur Templar n'osait pas entrer, il craignait de déranger. Eh bien, monsieur Templar, entrez donc. Merci. Oh, pourquoi ne pas dire Simon, ne suis-je pas un peu de la famille? Je le descends. Non, attends. Laisse-le nous dire ce qu'il sait. D'abord ceci. Ladek Yurivetsky, de Varsovie. Faussaire de talent, mais faussaire tout de même. Katana, il faut supprimer ce témoin. Ça n'est pas si aisé. Scotland Yard et la Sûreté ne croient pas à votre histoire de meurtre à Barcelone. Ils vous croient vivant. Donnez-moi cette arme. Je n'ai pas peur de tirer sur lui s'il le faut. Avant de tirer, discutons plutôt du prix des obligations fausses. Où sont-elles? En sécurité, quelque part. Vous savez, Katana... J'en sais à peu près autant que vous sur cette histoire. Louis, vous n'allez pas le laisser. Affichez-nous la paix, vous. Continuez, Templar. Votre emploi ici, l'ADEX, c'est d'être faussaire. Donc c'est parce que vous aviez rendu dans le temps un service à Jean que vous avez cru devoir compter sur sa reconnaissance. Seulement, il n'était pas très chaud. Rien de l'idéaliste que vous souhaitiez. J'ai raison. Quelque chose dans ce genre, en effet, oui. Alors, me voilà en face de deux meurtriers... et d'un maître faussaire. J'en suis à me demander quoi faire. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Exact. Et pourtant, je l'ai. Alors, il est toujours temps d'utiliser cette artillerie. Mais à votre place, je patienterai. À cette distance, vous me tueriez sûrement. Ce serait bien dommage. Pourquoi? Parce que j'ai quelques amis à qui j'ai promis d'être là à minuit. Et si vous êtes en retard? Ils connaissent l'adresse et ils ont aussi les bons. Et si à minuit ils ne me voient pas rentrer, ils les porteront au commissaire Kersi à la préfecture. C'est une astuce qui a beaucoup servi. Je le sais. Peut-être bien parce que c'est encore la meilleure qu'on connaisse. Notre petite discussion arrive à son terme. C'est oui ou non? Qu'est-ce que vous proposez alors? Contre la somme de 500 000 francs du mort, je donne les obligations. C'est tout? Et comment comptez-vous que la transaction s'effectuera? Par un coup de fil. Où ça? Chez la sœur d'André Griot. C'est elle qui a les bons.
Et elle va nous les apporter? Dans quelques minutes seulement, il y a encore deux conditions. Quelles conditions? La première, c'est que vous et votre lieutenant reconnaissiez que c'est vous et non Griot les meurtriers de son ami Jean. Vous êtes fou, non? Vous vous engagez à ne l'utiliser que lorsque nous aurons passé la frontière de France? D'accord, je m'y engage. Et quelle est la seconde condition? Vous me donnez votre parole que Juliette Griot sortira d'ici en excellent état et avec moi. Eh bien, il semble que M. Templar soit honnête, et on dirait qu'il tient les cartes. Nous quitterons la France dès ce soir. Un mot de trop et je vous tue. Un seul mot, compris? C'est vous qui tenez l'arme? Alors prenez garde. Juliette, c'est moi, Simon. Oui, je vais bien. Attendez, écoutez. Templar, vous êtes fou. Je suis avec Monsieur Quintana. Il accepte notre marché. Alors je compte sur vous. Mais qu'est-ce que vous me racontez là, Templar? Non, j'ai dit que nous ne parlerions pas du Rivetsky, ni des obligations fausses. Pour le meurtre de Jean, j'ai demandé une reconnaissance de la part des auteurs. Oui, j'aurai les 500 000 francs en échange des obligations. Templar, avez-vous besoin de la police? Dites-moi. C'est ça, chérie, oui. Aussi vite que possible. Je suppose que vous êtes menacé, hein? C'est ça. Et où faut-il que j'aille? Oh, que je vous rappelle l'adresse. C'est au 62 rue de Liège, à Saint-Cloud. C'est une grande villa sur la droite, avec de gros piliers. Oui, chérie, faites vite, j'attends. À bientôt. Bon, nous avons encore 20 minutes. Si nous faisions déjà cette confession du meurtre. Monsieur Templar, vous êtes merveilleux. Comment faites-vous tout ça? Je m'excuse, monsieur. Non, c'est rien, mademoiselle. Je suis désolée. C'est pas grave, allez, c'est rien. Ça va sécher. C'est rien. Merci, monsieur. Ça innocentera André. Tiens, voilà, Juliette qui arrive. Allez la chercher. Deux personnes pour une frêle jeune fille? Il vaut mieux pour vous que ce soit elle, Templar. Que se passe-t-il, Quintana? Vous n'y croyez pas? Non. Et moi non plus. Laissez-moi ou je vous arrête pour inconduite notoire. Inconduite? Ah, ben dis donc, avec toi, ça serait plutôt difficile. Templar! 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 Templar, vous m'avez évité presque toute la soirée. Pourquoi? Le duc, vous avez trop tendance à suspecter les gens. Allons boire un peu de champagne, s'il en reste, bien sûr. Alors, commissaire Kersi, quelle bonne surprise. Templar, je vous arrête pour effraction et vol, pour extorsion de fonds et chantage sous la menace. Quoi?
Templar, vous ne vous en tirerez pas cette fois. Je viens de chez Quintana. J'ai lu le papier où il reconnaît l'auteur du meurtre de l'ami de M. Griot. Oh, mes compliments, monsieur le commissaire. C'est une bonne nouvelle que vous annoncez là. Urivetsky a été trouvé en possession de fausses obligations. De mieux en mieux. Templar, je n'ai pas l'humeur à sourire. Vous êtes sorti cette nuit et vous m'avez téléphoné de chez Quintana. J'ai téléphoné? Oh, le commissaire, vous devez faire erreur. Il se peut bien qu'on ait imité ma voix. Alors vous niez, hein? C'était un autre. Commissaire, je suis resté à boire et à danser toute la nuit. Et le duc était là, hein? Il m'a surveillé comme un insecte sous un microscope. C'est exact, le duc? Oui, commissaire, c'est exact. Il n'est pas sorti, il est resté là toute la soirée. Et tous les amis vous le diront? Oui, oui, oui. Que pensez-vous faire pour André? Ne craignez rien. Il sera relâché dans une heure. Commissaire, un petit peu de champagne. Vous avez trouvé un assassin et pris sur le fait le plus grand faussaire d'Europe. Il faut célébrer ça.